Bonsoir à toutes et à tous. Je reprends. Problème de micro. La place de Rouen dans la traite négrière, c'est le thème qui nous réunit ce soir en cette journée du 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et avant de donner la parole à Nicolas Maillet-Rossignol, maire de Rouen, je voudrais vous rappeler les règles du jeu de cette conférence en ligne. Je vous rappelle que tout est enregistré pour qu'il puisse y avoir un replay disponible et accessible au plus grand nombre, au plus vite. Également, les questions, les remarques que vous voudrez posées aux intervenants seront uniquement prises par écrit, donc dans le chat sur Zoom. Les personnes qui nous suivent sur Facebook Live, vos questions nous seront également transmises. Et donc, je vous invite, public, à rester micro et caméra fermée pendant l'ensemble de la soirée. Et vos questions seront prises au fur et à mesure et on réservera un temps particulier à la fin de cette conférence. Nicolas Maillet-Rossignol, je le disais, vous êtes le maire de la ville de Rouen. Et je vous propose, eh bien justement, d'ouvrir cette soirée, en cette journée particulière. Oui, merci beaucoup Rebecca. Bonsoir à toutes et tous. Alors, vous n'êtes pas venu m'écouter moi, donc je vais être très très bref. Simplement vous dire que je tenais à être présent pour introduire cette conférence débat à l'occasion de effectivement de cette journée particulière, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. En rappelant, nous étions ce matin pour la commémoration officielle avec Monsieur le Préfet, avec un certain nombre d'élus, que c'est seulement il y a 20 ans que la représentation nationale qualifiait solennellement l'esclavage de crime contre l'humanité avec l'adoption de la loi qu'on appelle aujourd'hui la loi Taubira. 20 ans, c'est rien du tout. Alors, je sais bien que la France considère en général qu'elle est le phare des droits de l'homme, la lumière des civilisations éclairées. Mais enfin, quand on regarde le droit de vote des femmes ou la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, on peut, disons que ça invite à la modestie. Je tenais à être présent aussi pour saluer, c'est formel, mais enfin c'est important et c'est au-delà de la courtoisie, les quatre intervenants pour cette conférence débat. Je veux parler dans un ordre tout à fait aléatoire, de Mathilde Schneider, qui est la directrice des musées Beauvoisine, de Dominique Taffin, qui est la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Par les hasards de l'informatique, il se trouve que je vois son visage là en même temps que je vous parle, alors que je ne vois pas forcément tous les visages dans Zoom, mais ne me demandez pas de maîtriser l'outil. Donc ça me permet de la saluer aussi. De Éric Saunier, qui est enseignant-chercheur et maître de conférence en histoire moderne à l'Université Normandie-Le Havre. Et puis Joseph Carien, que j'ai vu tout à l'heure en me connectant, même si je ne le vois plus maintenant, qui est président de l'association, je vais mal prononcer son nom, MASAIO. Vous dire aussi, alors quelque chose de, c'est mon troisième point qui est tout bête d'une certaine façon, mais qui est en même temps tellement essentiel, c'est le cas de le dire. C'est un sujet que peut-être, dont peut-être que les Rouennaises et les Rouennais ne se sont pas suffisamment appropriés. D'autres villes portuaires, je pense évidemment à Bordeaux, à Nantes, mais aussi au Havre. Je crois, mais les historiens me contrediront peut-être, depuis plus longtemps que nous à Rouen, on saisit l'importance qu'avait eue la traite coloniale, la traite négrière, dans le développement économique, dans le développement, la production de richesses pour ces territoires, pour ces villes. Et Rouen, n'est pas, entre guillemets, en reste, même si l'expression est terrible. Bon, pourtant, au-delà, et bien sûr, des travaux de recherche, au-delà de colloques aussi qui ont été faits ces dernières années et par les élus précédents aussi, je crois que comment dire, dans la compréhension de ce qui est notre ville, il y a une forme d'impensé, encore aujourd'hui. Et d'une façon un peu plus large, je dirais, et c'est un point que je voulais souligner en introduction, que quand on s'adresse, quand on regarde avec un peu de lucidité, et puis avec un peu d'intérêt et de curiosité aussi, les mémoires de Rouen, on s'aperçoit, parce que la mémoire ou les mémoires sont toujours un objet politique, c'est-à-dire source de tensions, de conflits, de choix, d'arbitrage et parfois d'arbitraire, de tabous, ou au contraire de propagande. Bon, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de sujets, souvent liés effectivement à des enjeux de discrimination, qui ne sont pas mis dans la lumière, qui pourtant
serait approprié, serait même, je dirais, nécessaire. Donc, on a lancé ce travail, ce débat sur les mémoires. Il est porté à la ville par, je pense qu'elle est là, par Laura Slimani, que je n'ai pas vue directement sur l'écran, mais je suis sûr qu'elle est connectée, qui est adjointe pour ces sujets-là en particulier. Il est aussi porté de façon transversale avec d'autres élus, bien sûr, qui s'occupent de culture, de patrimoine, matrimoine. Je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr, chacun comprend que c'est forcément un sujet transversal, d'éducation. Et je crois que c'est un élément important. Sans faire de raccourcis trop rapides, une des premières décisions que nous avons annoncées, c'était le jour de notre élection d'ailleurs, a été d'honorer la mémoire des victimes, soldats, mais aussi civils, noirs, africains, antillais, qui ont été massacrés le 9 juin 1940, rue de Biorel, à Rouen. Ben voilà encore un sujet qui fait partie de ces mémoires un peu oubliées, pourtant on pourrait dire 1940, s'il n'y a pas si longtemps. Eh bien, c'est une histoire qui n'est pas suffisamment connue. Je ne dis pas qu'elle est totalement inconnue, mais il y a des zones d'ombre. Et dans, disons, l'imaginaire collectif de notre ville, peut-être qu'elle n'est pas à la place qui lui revient. Donc vraiment, je voudrais remercier toutes les personnes qui vont intervenir ce soir, remercier les élus, en particulier Laura et toutes les forces municipales qui travaillent sur ce sujet, et puis remercier enfin les services aussi, parce que c'est un travail qui demande... dans les services de la ville, là aussi un travail qui n'est pas forcément simple, et remercier aussi les associations, les chercheurs, les historiens, les savants, je ne sais pas si c'est le bon terme, je veux dire les citoyens de la ville, quel que soit leur degré de connaissance d'ailleurs, mais d'abord pour leur degré d'intérêt, pour regarder en face, alors c'est une expression à la mode, je ne sais pas si elle est très pertinente, mais en tout cas pour regarder ces questions, et plus que les regarder, se les approprier. Moi, le vœu que je forme pour ce mandat, c'est que peut-être qu'à la fin du mandat, nous ayons réussi collectivement à mieux nous approprier ces sujets, à mieux les comprendre dans toute leur complexité, parce que c'est rarement manichéen, et à essayer d'en faire aussi, non pas sur le sujet lui-même, mais sur leur appropriation, une forme de fierté, c'est-à-dire de compréhension que Rouen n'a jamais été aussi grande, aussi forte, aussi belle que quand elle est diverse, quand elle est multiple, quand elle est riche de toutes ses influences. Cet enjeu de la colonisation, de l'esclavage, de leurs abolitions, c'est un enjeu qui fait partie de notre intimité collective. Donc j'espère que cette première conférence nous ouvrira ce chemin, qui est un chemin, encore une fois, que je vois positif, qui est un chemin de construction collective. Et dans construction, pour moi, il y a toujours quelque chose de positif, parce que cela nous rassemble. Voilà, merci à vous. Merci à vous, Nicolas Maillet-Rossignol, pour ces propos introductifs. J'ai retenu les enjeux de mémoire, ce sont des enjeux politiques. Vous questionnez aussi sur le retard ou pas de la ville de Rouen sur l'appropriation de ces questions. Je poserai la question à Dominique Taffin dans quelques instants. Laura Slimani, vous êtes adjointe à la mairie de Rouen. Vous êtes en charge des enjeux de démocratie locale et participative, de l'égalité femmes-hommes, des questions de handicap et de lutte contre les discriminations. J'aimerais également avoir votre regard sur l'importance de cette journée et du travail de mémoire engagé par la ville. Merci Rebecca. Et merci évidemment à Nicolas Maillet-Rossignol d'avoir introduit cette conférence et d'être présent ce soir. Je pense que c'est extrêmement important et ça témoigne aussi de l'importance que l'ensemble de la municipalité accorde à ce sujet, à cette question des mémoires et puis à cette question plus particulière de effectivement la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi une conférence sur l'esclavage à Rouen, et c'est bien là le sujet, en fait, c'est qu'on se pose la question, parce qu'on n'a pas forcément, dans notre connaissance de l'histoire de Rouen, on ne sait pas forcément, quand on grandit à Rouen, quand on vit à Rouen, que finalement Rouen a joué un rôle important dans le développement et le maintien du système esclavagiste et du commerce triangulaire et de la traite des esclaves. Alors ce soir, évidemment, Éric Saunier et d'autres en parleront bien mieux que moi, mais c'est vrai que le premier enjeu de cette conférence ce soir, qui est le démarrage d'une histoire aussi qu'on souhaite raconter, évidemment, et qu'on souhaite continuer d'enrichir au fur et à mesure des années avec les associations. Et l'année prochaine, ce 10 mai aura aussi une dimension encore, qui sera encore étoffée, qui probablement sera aussi déplacée. On va aussi réfléchir évidemment à marquer notre espace public sur la question de l'esclavage pour pouvoir aussi
faire en sorte que cette histoire soit présente dans notre espace public, au-delà des conférences qu'on peut faire. Donc voilà, ça c'est un des premiers éléments. Pourquoi ? Eh bien parce que cette histoire, elle est très mal connue à Rouen et qu'on estime que c'est de notre responsabilité aussi de la faire connaître, de la partager et d'en discuter évidemment tous ensemble. Et puis ensuite, c'est aussi la question du débat des mémoires que nous avons lancé il y a plusieurs mois, effectivement, avec Elisabeth Labaye notamment, qui est ici ce soir aussi, conseillère municipale déléguée en charge du patrimoine, du matrimoine, et puis Chloé Argentin, qui est en charge des discriminations. Parce que nous avons la conviction que ces débats autour des mémoires, il faut que nous nous en emparions, il vaut mieux essayer de les organiser dans la société, de faire en sorte qu'ils aient lieu de manière régulée, libre, ouverte, plutôt que de laisser des tensions, des débats parfois qui peuvent être un peu stériles, ne pas trouver de débouchés. Et nous, on estime effectivement qu'on a aussi une responsabilité de rendre visibles parfois des invisibles ou des invisibilisés, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des personnes issues de l'immigration, qu'il s'agisse des descendants des peuples colonisés ou esclavagisés. C'est aussi de notre responsabilité que de faire en sorte que la mémoire qui est la nôtre et qui est celle de la vie de notre ville soit une mémoire du 21e siècle et qu'elle reflète aussi ce que nous souhaitons valoriser, ce dont nous souhaitons nous souvenir dans notre passé. Parce que la mémoire, c'est bien cette connexion entre le passé et le présent et qui finalement nous permet de connaître notre histoire pour mieux construire notre avenir. Rouen, c'est une ville ouverte, c'est une ville dans laquelle le racisme n'a pas sa place, c'est une ville de diversité, une ville métisse aussi d'ailleurs, et on sait assez peu, mais que ce métissage, il est aussi né, de manière aussi lointaine qu'à l'époque de l'esclavage, où les premières personnes noires sont arrivées sur notre territoire, souvent en tant qu'esclaves, et puis parfois elles sont parvenues à s'affranchir. Mais en tout cas, c'est aussi une partie de notre histoire qu'on connaît assez peu, et pourtant, ça construit la ville que nous sommes aujourd'hui, cette ville diverse et métisse dans laquelle il faut travailler comme partout à continuer de lutter contre les discriminations, contre le racisme. Et c'est aussi évidemment une des tâches qu'on s'est fixées sur ce mandat avec mes collègues. Donc voilà, ce débat des mémoires, il vise à favoriser le partage des connaissances historiques, voire à favoriser aussi la recherche. Il manque aussi parfois des traces. Il faut encore parfois qu'on approfondisse certaines thématiques dans la connaissance historique de notre territoire. Et donc, on souhaite aussi pouvoir appuyer ou en tout cas favoriser ce travail de recherche historique et puis bien sûr le rendre intelligible et le partager avec l'ensemble de la population parce que c'est un débat qu'on souhaite éminemment démocratique. Et c'est pour ça qu'on le mène avec une multitude d'acteurs et d'actrices qui viennent de secteurs différents de la société, qui sont bien représentés ce soir, à la fois évidemment les historiennes, les historiens, les associations, les citoyens organisés qui travaillent sur cette question de la mémoire aussi. Et je remercie effectivement Joseph Carrien d'être ici ce soir pour l'association Massaillot. Les acteurs culturels, qui joue un rôle effectivement extrêmement important dans la transmission et le partage de cette mémoire. Et puis les citoyennes et citoyens, vous toutes et tous qui nous regardez ce soir et qui allez, je l'espère, participer activement. Voilà, on souhaite aussi que ce débat, ça soit le vôtre. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Remercie effectivement également nos intervenants d'être présentes et présents et d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, Laura Slimani, pour ces compléments introductifs. J'en profite pour rappeler à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que cette conférence est enregistrée, que les questions, vos questions, vos remarques sont prises par écrit dans le chat de Zoom et que vos questions ou remarques sur Facebook Live vont nous être transmises ici et donc de bien rester avec votre caméra et votre micro fermé tout au long de la soirée. Alors Nicolas Maillet-Rossignol a présenté les invités, donc je ne vais pas le refaire mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je voudrais qu'on commence par s'intéresser à ces enjeux de mémoire. Dominique Taffin, vous êtes la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. La Fondation, elle est assez récente. Elle a été créée en 2019, je crois. Quel est votre regard sur cette temporalité, ces 20 ans de la loi Taubira du 23 mai 2001? Qu'est-ce que ça signale comme moment? Que faut-il peut-être accélérer aujourd'hui? Voilà,
Ça y est, mon micro est activé. D'abord, hein, je salue évidemment voilà, le maire, les élus et tout le public qui nous écoute. Je remercie également, hein, au nom de Jean-Marc Ayrault, toute l'équipe de la Fondation de nous avoir invités à participer à cette rencontre. Et je voudrais commencer vraiment en disant que les propos de Mme Slimani finalement rejoignent évidemment beaucoup des préoccupations que nous avons à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, parce qu'évidemment l'existence de cette fondation est vraiment justement repose sur le constat de la nécessité en fait que cette histoire et ces mémoires attachées à l'histoire de l'esclavage, mémoire toujours vivante et conséquences de l'esclavage aussi toujours vivant dans les mauvais aspects, hein, et on pense bien évidemment aux préjugés, au racisme qui sont des conséquences et des constructions de l'esclavage, mais aussi les valeurs finalement de résistance, de tout simplement ces droits humains et ces trois valeurs cardinales républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, prennent en fait tout leur sens quand on regarde l'histoire de l'esclavage. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important justement que cette histoire soit mieux connue. C'est une histoire française, ce n'est pas simplement une histoire ultramarine ou une histoire africaine. C'est une histoire évidemment qui concerne entièrement la nation française, parce que ben, elle l'a finalement aussi forgée. Donc la fondation qui, donc, comme vous le rappeliez, existe depuis novembre 2019, reprend à la fois ben, justement le flambeau de ce que cette loi Taubira il y a 20 ans prescrivait, à savoir d'abord de promouvoir la recherche et l'enseignement sur l'histoire de l'esclavage. Et ça, c'est un travail qui a commencé évidemment depuis de longues années, mais voilà, qui a subi aussi un peu des hauts et des bas, des accélérations et parfois aussi des ralentissements, des baisses de régime. Et sur ce point, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire et nous nous y sommes attelés, donc en prenant le relais notamment sur l'action hein, que le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, avec ses présidentes et présidents successifs, avaient lancé. Donc il y a un gros travail encore dans ce domaine. Et Éric Saunier, qui est avec nous aujourd'hui, qui fait partie du conseil scientifique de la Fondation, tout le conseil scientifique de la Fondation contribue évidemment à ce travail de soutenir la recherche et aussi de soutenir sa transmission et sa diffusion. Mais ce travail ne se fait pas seulement en direction des scolaires ou en direction évidemment de la recherche, donc de l'enseignement supérieur. C'est aussi un travail qui se fait avec et dans les associations et dans les collectivités territoriales. Et ça, c'est un autre aspect effectivement de notre activité. C'est véritablement en nouant des partenariats, en apportant aussi du soutien à ces organismes. C'est de pouvoir aussi ancrer dans les territoires, chacun avec leur histoire aussi locale spécifique, de faire connaître aussi comment finalement l'histoire de l'esclavage et l'histoire du passé colonial ancien de la France a aussi eu un impact sur ces territoires. Et ça, bien évidemment, nous ne pouvons le faire que justement grâce à ces partenariats ou à ces mesures de soutien que nous donnons à travers notamment les appels à projets. Donc là, nous essayons de répondre aussi à cet enjeu qui est un enjeu aussi citoyen et c'est un enjeu aussi territorial, c'est-à-dire ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, aussi de l'appropriation finalement par les habitants d'une histoire locale qui est connectée depuis très longtemps avec ce qui est loin, avec les continents, voilà, donc dans une histoire effectivement qui est douloureuse, une histoire de violence, mais qui est aussi une histoire dont est sortie aussi une société et des sociétés nouvelles, avec voilà, ce qu'on peut aussi appeler la créolisation, qui est une façon aussi de faire dans un contexte de violence et particulièrement difficile et de créer quand même quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi un moyen de montrer ce qu'on peut aussi faire, voilà, la capacité de l'homme aussi à agir finalement et sur ce qui est pourtant voilà, la pire forme des oppressions.
Tout à l'heure, Nicolas Maillé-Rossignol, en introduction, a fait le vœu d'une appropriation de cette mémoire, de ces mémoires, par la ville de Rouen, dans toutes ses composantes, y compris les habitants. Est-ce que vous, dans la mobilisation des collectivités et des villes en particulier, vous voyez qu'il y a une dynamique nouvelle qui se renforce, un mouvement plus fort ? Très certainement. En tout cas, depuis voilà un an, nous voyons vraiment déjà des premiers signes très très encourageants. Par exemple, la signature d'une convention. Alors, ce n'est pas un simple acte formel administratif. Une convention. Donc, Jean-Marc Ayrault, le président de la Fondation, a signé avec l'Association des maires de France, avec l'Association des départements de France, avec Régions de France, montrant en fait un engagement de ces associations d'élus à porter aussi à relayer les sujets en lien avec l'histoire de l'esclavage et ses héritages. C'est aussi justement pour ce mois des mémoires 2021, donc qui est évidemment pour nous un mois tout à fait important parce que ce sont ces fameux 20 ans de la loi Taubira, malgré les circonstances quand même évidemment très handicapantes que sont celles des restrictions sanitaire. Nous avons plus d'une centaine voilà, d'événements qui ont déjà été déclarés donc sur tout le territoire, Hexagone et Outre-mer, et encore, il y en a d'autres qui vont donc intégrer la cartographie interactive hein, dont tout le monde peut aller voir sur le site de la Fondation. Et nous avons eu notamment beaucoup de demandes, donc aussi bien de collectivités que aussi via donc, le relais des préfectures aussi, une mobilisation de l'État aussi dans son échelon territorial. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc, pour nous, voilà, ce sont des signes, évidemment, qu'il faut conforter dans le temps, mais qui nous montrent qu'il y a véritablement un intérêt sur ces sujets, même si on est dans une période un petit peu difficile et compliquée, même si aussi on entend des discours qui ne sont pas forcément ce qu'on aimerait beaucoup entendre, malheureusement, qui renvoie encore sans cesse à l'idée que de se pencher sur cette histoire, ça serait faire de la repentance, ça serait, voilà. Au contraire, non, faire face à ce passé, surtout le reconnaître comme étant partie intégrante, voilà, de l'histoire française. Et du coup, à partir de là, construire un récit national qui soit un récit à plusieurs voix, qui ne soit pas quelque chose d'univoque, voilà, c'est vraiment quelque chose évidemment sur lequel on sait très bien que les mémoires n'ont pas toutes les mêmes accents, mais par contre de les faire dialoguer, et ça je crois que c'était aussi un aspect qui était important dans les propos liminaires, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait indispensable aujourd'hui, on en a besoin pour faire face aux formes de polarisation et d'identitarisation aussi, qui malheureusement aussi apparaissent beaucoup dans le discours public. En effet. Alors, je vous avais parlé de dialogue et j'aimerais justement peut-être pouvoir entendre Joseph Carien. Vous êtes le président de l'association MASSAIO et on sait qu'en matière de mémoire, le rôle des associations est extrêmement important pour mettre en dialogue les différents acteurs. Peut-être en quelques mots, Joseph Carien, pour commencer, quels sont les objectifs de votre association MASSAIO et vos attentes en matière de mémoire à l'échelle de la ville de Rouen ? Alors, un instant, le temps que votre micro se réactive. Bon. Ça y est, ça marche. OK. Donc, je disais, en fait, notre but à nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est au combat là-dessus. Plus de 20 ans qu'on est actif. Et donc, le but, c'est de faire connaître, c'est pour promouvoir notre culture. La base, c'était ça. Mais... de se faire connaître parce que j'ai pu constater que mes enfants et certains enfants, je les ai appris cette histoire parce qu'elle n'est pas divulguée à l'Académie de France, en fait. Cette histoire, elle n'est pas racontée. Toutes les histoires, oui, mais sauf celle-ci. Et vous m'entendez ? Je vous entends, il n'y a pas de souci, on vous entend. Et donc, je trouve ça vraiment dommage parce que... Ça a causé pas mal de tort parce que cette histoire, elle est... Là, votre image est figée. C'est peut-être un souci de connexion.
En tout cas, j'entends bien cet enjeu de l'enseignement et de l'éducation. On y reviendra tout à l'heure après avoir exploré avec Éric Saunier le rôle et la place de la ville de Rouen dans la traite négrière, sur comment on valorise cette mémoire auprès des publics les plus jeunes. Alors, pour l'instant, moi, de mon côté, votre image reste figée. Donc, je reviendrai vers vous tout à l'heure, Joseph Carrien. Et je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet avec vous, Éric Saunier. Donc, vous êtes historien et maître de conférences à l'Université du Havre. Et donc, vous vous êtes penché sur la place de Rouen dans la traite négrière. Avant de parler spécifiquement de Rouen, quelques rappels. Quand on parle de la traite négrière, dans quel pas de temps on s'inscrit ? Ok, vous m'entendez? Vous m'entendez correctement? Absolument. Oui, très bien. Bon, ben, écoutez, je vais répondre à votre question de façon assez synthétique pour qu'après on puisse aller vers Rouen. Mais bon, là, globalement, la traite en France, en tout cas, c'est une histoire qui commence vers 1640 avec l'époque de Louis XIII et qui va surtout recouvrir les 17e et 18e siècles jusqu'à la période révolutionnaire, jusqu'à la révolution de Saint-Domingue, jusqu'à cette révolution. Qui se développe aussi dans le cadre, c'est toujours quelque chose qu'il convient d'expliquer, c'est pas un cadre isolé, hein, c'est le commerce colonial en général qui se développe, c'est-à-dire on fait pas que de la traite négrière, on fait aussi un commerce plus classique, hein, ce qu'on appelle un commerce en droiture, et le grand boom va vraiment apparaître à partir de la fin de la guerre de 7 ans, c'est-à-dire à partir de 1763, hein, il va y avoir 30 années vraiment de très grand essor négrier qui va faire de la France le deuxième pays négrier après l'Angleterre pour le XVIIIe siècle, hein, avec plus d'un million et demi d'esclaves traités. Et dans cet ensemble, Nantes est le port le plus important après, avec presque la moitié des expéditions. Et puis derrière arrive la Normandie. Et justement, enfin, c'est un des intérêts aussi de cette soirée, c'est justement d'aller à Rouen. Pendant très longtemps, je suis resté entre guillemets au Havre, au niveau régional. Et un de mes grands combats, entre guillemets, c'est de faire parler de traite normande et pas spécialement de traite havraise, parce que c'est un système triangulaire en fait, hein, avec trois acteurs, Rouen, Honfleur et Le Havre. L'ensemble de ces trois villes représente quand même plus de 500 expéditions, donc c'est de très très loin la deuxième porte de sortie des navires négriers français. Alors justement, vous parlez d'un triangle, hein, le triangle normand qui s'inscrit dans le grand triangle du commerce triangulaire. Alors justement, on va pas pouvoir, on a peu de temps, hein, rentrer dans tous les détails, mais qu'on s'arrête sur des moments ou des personnages clés. Et ce premier personnage que j'aimerais qu'on évoque ensemble, on est dans les années 1670, c'est la Compagnie du Sénégal. Qu'est-elle et quel est son lien avec Rouen? Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la participation très forte de Rouen dans ce commerce est quelque chose de tout à fait logique, hein, parce que c'est quand même une très grande ville, c'est une même métropole plus importante qu'elle n'est aujourd'hui à l'échelle du royaume, c'est presque 70 000 habitants, bon, par comparaison, le port du Havre, c'est à peine 20 000 habitants. Donc on n'imagine pas que Le Havre tout seul ait pu expédier 400 expéditions sans support de capitaux dans un espace assez proche. Et là, Rouen va jouer un rôle très très important. Alors effectivement, dès la fondation de la Compagnie du Sénégal, donc c'est assez tôt, hein, c'est à l'époque de Colbert, la Compagnie du Sénégal, c'est 1673. C'est un espèce de copier-coller de ce qu'ont fait les Anglais un an plus tôt. Ils ont voulu mettre en place des structures spécifiquement consacrées à la traite des Noirs et plus à un ensemble de commerce colonial trop généraliste, parce qu'il y avait il y avait une très forte demande en faveur du sucre et que la compagnie existante, qui était la Compagnie des Indes Occidentales, avait surtout favorisé le tabac. Donc, on installe un bureau au Havre, mais dont les dirigeants sont des Rouennais. Hein. Il y a pratiquement pas un Havrais, ce sont des Rouennais, les bureaux sont à Rouen. Et alors, dans la foulée de la Compagnie du Sénégal, pour montrer quelle est l'importance de Rouen et
même en termes d'identification par ceux qui dirigent la France, hein, par la monarchie, c'est que lorsqu'en 1716, le 18e siècle marque vraiment le véritable début de la traite, hein, lorsqu'en 1716, on décide de libérer le commerce vers les Antilles, alors libérer, ça veut dire en gros, c'est pas libérer les esclaves, bien sûr, c'est faire en sorte que ça soit pas simplement des compagnies d'État qui puissent s'y adonner, mais aussi des investisseurs privés. On désigne quatre ports, Nantes, La Rochelle, Bordeaux. Alors si on est logique, on a envie de dire, ben, le quatrième, c'est Le Havre. Ben non, le quatrième, c'est Rouen. C'est Rouen parce que la monarchie sait où est l'argent. En fait, elle veut libérer des capitaux. Ils sont à Rouen et c'est simplement au bout de quelques années, 5 ans plus tard, que Le Havre va avoir l'autorisation d'armer les navires parce qu'on se rend compte finalement que l'argent est à Rouen, mais les navires doivent partir du Havre. Alors justement, on est en 1716, début du 18e siècle. Vous l'avez dit, il faut des capitaux. Et les capitaux, ils sont notamment entre les mains de la famille Lecouteux. C'est une famille dont on doit parler quand on parle de traite négrière et de la ville de Rouen. Qui sont-ils, ces Lecouteux? Alors, on doit en parler pour deux raisons. D'une part, par leur importance, parce que l'un de ses membres va être un des fondateurs de la Banque de France sous Napoléon, donc c'est quand même pas n'importe qui. Ce sont les plus grands négociants de Rouen à la fin du XVIIIe siècle, un commerce très très étendu vers l'Espagne notamment et vers les colonies. Et il faut en parler aussi. Et là, c'est un peu les limites de la recherche actuelle, parce que il y aurait un vrai sujet à faire sur l'ensemble des négociants rouennais qui se sont investis dans la traite. Il se trouve que Lecouteux, on sait des choses sur lui. On sait que c'est à peu près 10% de la traite havraise. C'est énorme. Vous ne verrez jamais le nom de Lecouteux, évidemment, comme armateur, parce que c'est pas lui qui arme. Mais en revanche, si on fouille un petit peu, on se rend compte que les gens qui arment au Havre, notamment une famille comme la famille Rouélan, qui est une famille de négriers assez importante, en fait, sont des gens qui sont au service des Lecouteux. Les capitaux viennent des Lecouteux. Et ils ont beaucoup, eux et bien d'autres, investi vers la traite, notamment sous le règne de Louis XVI, parce que la proto-industrie cotonnière rouennaise rentre en crise et qu'il faut redéployer ses capitaux. Et qu'à ce moment-là, où redéployer ses capitaux? Ben, le commerce colonial est en plein boom. Donc, évidemment, les investissements rouennais vont aller plus vers les colonies qu'auparavant. Ils y ont toujours été, hein. Ils ont toujours été vers les colonies, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus important à partir de 1775-1780. Alors, vu qu'on est dans cette période de temps, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu passer le nom de Jacques-Étienne de la Rue, qui a été maire de Rouen de 1728 à 1731, puisqu'il était également dans le commerce, dans les activités textiles? Est-ce que vous avez vu apparaître son nom en lien avec la traite négrière ou pas? Alors, pas en lien avec la traite négrière. Le personnage est très connu, hein. C'est un des premiers grands négociants rouennais à une époque où le négoce est encore assez peu développé. Il y a un problème de source, hein, pour la période qui précède les années 1730-1740. Généralement, on travaille à partir de sources qui sont les registres d'armement et de désarmement des navires négriers. Pour le Havre, pour la traite havraise, on a ses sources à partir de 1749. Et bien sûr qu'il y en a des négriers auparavant, mais il y a aucune, enfin toute personne qui fait le commerce du coton fait pas forcément de la traite des Noirs. Hein. Il y a, pour vous donner un chiffre, il y avait à peu près 250 maisons coloniales au Havre à la fin du XVIIIe siècle. Il y en a seulement, entre guillemets, une petite centaine qui fait de la traite. Parce qu'en fait, la traite coûte extra. Alors les de la rue auraient eu les moyens, mais la traite est quand même quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que le simple commerce en droiture, en ligne droite, parce qu'on peut aller quand même du Havre ou de Rouen en Martinique sans faire la traite négrière. Hein. C'est quelque chose de possible. Hein. Non, là, on est dans une période qui est un petit peu précoce et il faut éviter quand même un peu les simplifications abusives. Hein. Tout commerce cotonnier n'implique pas nécessairement pratique de la traite.
Merci pour ces précisions. Alors, ce qui est intéressant dans ce 18e siècle, c'est que la traite négrière, y compris à Rouen, donc on l'entend bien, c'est un écosystème à la fois économique et politique. On a parlé de la compagnie du Sénégal, et puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu des primes mises en place par l'État pour favoriser ce commerce. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la société économique qui est engagée dans ce système. Oui, c'est l'ensemble de la société. Il y a un marché du travail avec les bon une des recherches que l'on a faites, c'est de reconstituer tous les équipages de la traite havraise. Ça représente à peu près 7000 personnes, hein, si on prend tous les. Il y a 40 personnes, hein, sur un navire négrier, y compris des gens qui ne sont pas nécessairement des marins. Et on se rend compte que le triangle Rouen, Le Havre, Honfleur, on le retrouve, y compris parmi les hommes de main. Les Rouennais doivent représenter, dans les années 1780, à peu près 10% des équipages, ce qui n'est pas totalement négligeable. Et évidemment, cet intéressement régional autour de ces trois villes-là, alors Honfleur, c'était entre guillemets, le port de secours, parce que les infrastructures portuaires havraises était trop réduite à la fin du XVIIIe siècle, parce que comme je l'ai dit, c'était une petite ville, un petit port avec des infrastructures légères. Un certain nombre de navires sont partis de Honfleur, qui n'est pas très loin. Mais les trois associés vont se retrouver, notamment au moment de la Révolution française, autour d'une attitude politique à peu près commune et qui n'est pas une attitude très progressiste. Hein, qui n'est pas Alors une justement. attitude. Parlons-en de ce moment de la Révolution. Est-ce que la Révolution française révolutionne la traite, y compris dans les débats en Normandie? Il y a un lobby négrier qui se développe à Rouen, notamment. Alors, la Révolution française a accompli un espèce de petit miracle au niveau régional, c'est de mettre d'accord les Havrais et les Rouennais, ce qui est quand même relativement rare. Et le point d'accord va se faire autour de la défense des intérêts coloniaux. Je prendrai un exemple. Alors, il y a deux thèmes structurants. Hein. C'est 1789 arrive donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a deux questions qui se posent en fait. C'est la question de la pérennité de l'esclavage. Alors très rapidement, on va considérer que la question n'est pas à l'ordre du jour parce que la majorité des constituants ne sont pas d'une culture abolitionniste. Et puis il y a aussi l'autre question qui est la question du droit de vote pour ceux qu'on appelle les libres de couleur, et ils sont riches, hein, il y a des gens qui sont riches, car le quart des esclaves ont un propriétaire à Saint-Domingue qui n'est pas un blanc. Hein. Donc c'est un certain nombre auraient les moyens auraient le droit de vote, d'être citoyen actif, et il y aura tout un débat là-dessus. Et à ce niveau-là, les Rouennais et les Havrais vont se solidariser autour de la défense des intérêts coloniaux. On le voit très bien, notamment au sein d'une structure qu'on appelle le comité des colonies, hein, qui rassemble une douzaine de personnes. 12, c'est assez peu. Hein. Et dedans, vous avez quand même un Havrais, Jacques-François Bégoin de Meaux, qui, je veux dire, catalyse toutes les revendications autour de la mémoire des négriers au Havre. Et puis du côté rouennais, il y a un Rouennais que vous connaissez bien, mais peut-être pas sous cet angle-là. Alors, il n'est pas en première ligne, il n'est pas en première ligne, mais il est quand même sur la défense des intérêts coloniaux. C'est Touré, l'inventeur, le créateur des départements. Ne m'en faites pas un négrier, hein, c'est pas la question, mais au sein de la défense, au sein du comité des colonies, il représente les Rouennais. Et en gros, pour faire simple, chacun se spécialise un petit peu autour d'une défense. Alors, Bégoin, ça va être défendre la traite. Le maintien de la traite pendant longtemps et surtout l'absence de droit de vote pour les libres de couleur sur le principe que si on donne le droit de vote aux libres de couleur, le ver est dans le fruit. C'est un peu, en gros, si on donne le poignet, après on va falloir donner l'épaule. C'est un peu ce principe-là. Et alors lui, Touré, qui est surtout appuyé en fait par des négociants rouennais qui ne sont pas députés mais qui sont très influents, notamment un des premiers maires de Rouen, Pierre-Nicolas de Fontenay, qui était un industriel du coton, eux vont défendre surtout le principe de l'exclusif, c'est-à-dire le commerce colonial qui réserve le marché national aux Français, en quelque sorte. Mais il y a une véritable collusion
une véritable alliance, tout le monde a les mêmes intérêts, plus ou moins forts. Les intérêts sont plus importants au Havre. Et d'ailleurs, dans leur débat, l'argument de la rationalité économique est avancé pour dire qu'il faut maintenir ce système. Oui, c'est ce qu'on appelle la loi de la nécessité morale. Alors, la nécessité morale, il y a un très, j'allais dire, un très beau texte. Enfin, prenez ce que je dis au sens de l'intérêt historique du terme. Hein. Évidemment, sur le contenu, c'est assez épouvantable, qui est un texte de Bégoin, hein, qui est finalement un fascicule qui fait une trentaine ou une quarantaine de pages, qui porte sur la servitude des Noirs, c'était son titre, qui a certainement été écrit juste quelques mois avant la Révolution française, et où il explique que la loi de la nécessité morale, c'est de surtout défendre la traite, parce que si ce qui est immoral, ça serait de la supprimer, parce qu'elle fait vivre une partie de l'économie de ces villes. Donc c'est une espèce de retournement assez habile de l'argumentation morale pour défendre un commerce qui, évidemment, est totalement condamnable. Alors, il y a le comité des colonies que vous avez évoqué tout à l'heure, Éric Saunier. On se situe juste après la Révolution française, hein, dans les années 1790. Quelle est l'issue des débats? Parce qu'ensuite, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots de Napoléon. Qu'est-ce qui vient aussi bouger les lignes ensuite, quelques années plus tard? Alors là, il y a un saut à faire quand même. Le comité des colonies, lui, en fait, il fait du lobbying. En fait, il y a deux structures qui font du lobbying. C'est le comité des colonies et à l'intérieur, ce qu'on appelle le Club Massiac, du nom d'un hôtel, enfin, un hôtel particulier à Paris, où des armateurs négriers liés aux députés se réunissaient pour faire du lobbying eux-mêmes sur le comité des colonies. Leur obsession, c'est ne pas supprimer l'esclavage, bien sûr, et puis la question des livres de couleur est de maintenir l'exclusif colonial. C'est-à-dire finalement de faire une espèce d'entorse au libéralisme économique qui est en train de se mettre en place. Ça va pas, sur un plan doctrinal, ça va pas vraiment dans le sens de ce qui est en train d'être fait, parce que l'exclusif, c'est quand même un protectionnisme le plus total. Mais ils font du lobbying autour de ça avec beaucoup de succès, mais évidemment, vous imaginez bien qu'à partir de 1792, les événements vont précipiter tout ça, puisqu'il y a la révolution de Saint-Domingue qui éclate. Après, c'est la journée des Tuileries, arrive la Convention qui va décréter l'abolition de l'esclavage le 4 février 1794, et ce comité des colonies, en fait, va se fondre petit à petit dans ce qu'on appelle le comité de la marine, mais qui n'a pas du tout les mêmes orientations et qui s'occupe plus du tout de ces questions. Et pourtant, donc vous le disiez, la traite négrière se poursuit jusque quasiment à la moitié du XIXe siècle. Et la ville de Rouen est connue pour cette statue de Napoléon, place de l'Hôtel de Ville, qui a été retirée. Quel rôle va jouer Napoléon au début du XIXe? Alors Napoléon, lui, rétablit la traite et l'esclavage, donc en mai 1802. Et alors, ce qui est pour des raisons qui sont beaucoup évoquées en ce moment et qui tiennent très largement aux idées qui étaient les siennes, hein, beaucoup plus en tout cas qu'à la prétendue influence de son épouse. Mais enfin, ça c'est connu. Le mal vient toujours des femmes. C'est pas vraiment le problème. Donc Napoléon rétablit finalement l'esclavage et la traite, et puis en 1815 il va un petit peu obligé en quelque sorte de suivre un engagement qui avait été pris et un peu imposé par les Anglais aussi, qui étaient devenus abolitionnistes entre deux. Il va interdire la traite, et c'est à ce moment-là aussi que c'est intéressant régionalement, parce qu'il va y avoir une pratique de ce qu'on appelle la traite illégale, une sorte de piraterie, mais qui n'est pas tout à fait une piraterie, qui va être assez considérable, hein. Il y a une cinquantaine d'expéditions, ne serait-ce que pour le Havre, jusqu'en 1840. C'est le moyen de, là, le moment de faire un petit clin d'œil à l'association dont je m'occupe. Ce navire, le dernier navire négrier 1840, on est quand même pas loin de l'abolition de 1848, hein. Il a fait fort, en quelque sorte, hein. Qui est armé par un personnage qui est devenu maire du Havre, d'ailleurs, au début de la Troisième République. On lui a rappelé à ce moment-là. Ce navire s'appelle le Philanthrope.
ce qui était un peu un paradoxe, mais en même temps, il n'allait pas s'appeler le négrier, puisque le commerce était devenu illégal et que ça se serait vu. Donc, il s'appelle le philanthrope, et donc, c'est pour ça que la revue dont je m'occupe et l'association s'appelle Les routes du philanthrope et la revue du philanthrope. Ça montre quand même l'attachement très durable à ce commerce et à cette activité. Ce qui est moins vrai pour Rouen. Rouen a un peu fait le deuil du commerce, oui, de la traite des Noirs et finalement de l'esclavage à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la révolution de Saint-Domingue et où il y a l'abolition, Rouen ne va pas vraiment renouer avec cette activité-là. Alors certainement pas parce que les Rouennais sont plus humanistes que les Havrais, mais la ville en vivait moins quand même. Enfin, c'est pour ça qu'après, il faut mettre les choses à leur niveau. C'était moins vital. Et puis bon, Rouen a eu à nouveau un boom textile tout à fait considérable avec un marché intérieur suffisant sans forcément avoir besoin d'avoir un recours aussi important au commerce colonial que le Havre. Alors j'aimerais qu'on évoque quand même rapidement un autre personnage. Il s'agit d'Édouard Corbière, qui est auteur, mais aussi journaliste, et qui a été journaliste à Rouen. Et il a pris part au débat de façon différenciée à Rouen et au Havre sur ses réflexions vers l'abolitionnisme. Oui, alors Corbière, enfin bon, c'est vrai qu'il faut évoquer des figures de l'abolition quand même. Il y en a eu quelques-unes. Et alors Corbière est assez intéressant. Corbière, c'est le père du poète Christian Corbière et aussi le père de ce qu'on appelle le roman maritime, c'est-à-dire qui utilise le navire comme finalement comme lieu où on va raconter une histoire. Et Corbière a été journaliste sous la Restauration à Rouen avec un journal qui était un journal d'opposition plutôt libéral qui s'appelait La Nacelle. Et dans ce journal, il a pris des positions contre la traite illégale, dont il savait qu'elle se poursuivait. La traite illégale, elle s'est beaucoup poursuivie entre 1815 et 1824. Donc, il n'aimait pas ça. Et il a publié aussi des textes où il dénonce notamment la traite portugaise et ce qu'il appelle les parcs nègres en disant que c'est épouvantable, etc. Il a publié aussi un roman qui a un certain succès mais qui est plus discuté. Il est considéré par certains comme dénonciateur. C'est un roman qui s'appelle Le Négrier, qui raconte donc. Mais pour d'autres, il est un peu voyeur, ce roman. Il y a quelque chose de pas forcément très très sain dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, enfin comme vous l'avez dit, ce personnage, après avoir été journaliste à Rouen, il revient, il pose son sac au Havre et il devient rédacteur en chef, rédac-chef du journal du Havre. Donc c'était formidable, hein. Là, il avait quand même, si vous voulez, une caisse de résonance pour diffuser ses idées. Et là, c'est silence radio. C'est silence radio pour des raisons qui s'expliquent un peu. Je veux dire, aller parler contre la traite à Rouen sous la Restauration, ça va. Il y a des milieux qui sont réceptifs. Aller parler contre la traite au Havre, même en 1830, j'allais dire, ça va pas. C'est à moins d'avoir envie d'avoir des problèmes en tant que journaliste. C'est un sujet un petit peu tabou, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit quand même que là, les deux villes se différencient à ce moment-là, mais pas au XVIIIe siècle. Et c'est intéressant justement de voir la complexité de ce triangle à ce mi-temps du 19e siècle. Aujourd'hui, Éric Saunier, quelles sont les traces dans la ville de Rouen de cette histoire? On a entendu des personnages, des capitaux qui étaient dans la ville. Quelles traces? Alors il y en a, ça c'est un point commun, ça va en faire un deuxième avec le Havre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors il y en a un petit peu plus au Havre, il y a la maison de l'armateur, enfin il y en a pas énormément. Il y a quelques traces, oui, indirectement avec la rue aux ours, c'était la rue où les locuteux avaient leur magasin, avaient leurs entrepôts. Hein. J'ai retrouvé l'autre jour le numéro, il m'échappe, mais bon, enfin, évidemment, c'est une trace. Je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs actuellement à ce numéro-là. Mais les locuteurs, alors je suis pas un spécialiste des noms de rue à Rouen, mais ils ont probablement un nom de rue. Ça paraît très bizarre qu'il n'en ait pas. Enfin, ou alors ils sont considérés comme des personnages de stature nationale. Ils sont ailleurs.
Alors il y a quelques traces indirectes aussi. Alors il y a une toile qui est au, je crois que c'est à la chambre de commerce de Rouen où il y a été pendant très longtemps. Enfin, Mathilde Schneider pourra vous dire certainement des choses plus intéressantes là-dessus. Mais il y a une toile d'un peintre qui s'appelle L'Aumônier, qui est un des premiers à faire une régionalement une peinture un peu abolitionniste et critique parce qu'il représente c'est une allégorie de la liberté du commerce avec les quatre continents et on voit assez nettement pour le continent africain un personnage enchaîné qui visiblement fait pâle figure et on sent très bien qu'il y a derrière une condamnation de ce commerce. Sinon, bah, j'allais dire après les traces faut les rechercher, ça va peut-être faire partie des Oui, des enjeux, d'éléments parce de votre que mission. c'est ça, Laura Slimani le disait tout à l'heure en introduction, il y a cet enjeu de la recherche, de sans doute la favoriser. Est-ce que là, il y a un pan de recherche totalement ouvert? Vos étudiants, peut-être en thèse, c'est un sujet sur lequel se Oui. pencher? Ah ben, il y a un vrai sujet, c'est sur le. J'allais dire, pour faire simple, je reprends le titre d'un ouvrage qui a été fait par un collègue sur Nantes, Olivier Grenouillot, c'est l'argent de la traite. C'est la question, c'est de l'argent de la retraite, mais régionalement. C'est-à-dire là, je vous ai donné un exemple avec les locuteux, parce que c'est toujours le même. Hein, c'est aussi pas. Alors il y en a quelques autres. Hein, faut pas exagérer quand même. Il y a les Hillots, enfin il y a quelques familles pour lesquelles c'est connu. Faut pas être excessif. Mais c'est vrai que globalement, il y a un vrai sujet là. Il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet aussi sur la présence, parce que bon, il y a un travail qu'on a fait, mais qui n'est que représente que la moitié de ce qu'il fallait faire. C'est sur les mouvements migratoire entre les Antilles et la Normandie, Rouen, Le Havre et toute la Normandie, liée à la traite. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui échappent aux plantations sucrières parce qu'il y a des besoins au marché du travail. C'est des villes, Rouen et surtout Le Havre, sont des villes connaissent une augmentation démographique considérable et qui se portent bien. Donc il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et là, c'est un moyen de se procurer un peu de main-d'œuvre à bas coût. Hein. C'est des gens qui vont être domestiques, mais pas que, travailleurs portuaires. Moi, j'en avais retrouvé un Rouennais, d'ailleurs, qui d'ailleurs savait lire et écrire, ce qui veut dire aussi qu'il y avait, entre guillemets, une forme de mobilité sociale qui était possible, qui était fabricant de bas. Donc, il va y avoir ces gens-là qui vont se retrouver là. Mais, j'allais dire, ça, c'est un aspect des choses. C'est que deviennent-ils? Comment s'intègre-t-il entre guillemets dans l'espace social rouennais? On sait qu'il y a des conflits, il y a des conflits du travail, il y a un dépôt des Noirs à Rouen quand même, Alors puisqu'une de justement, c'était une ces des questions, ce dépôt des Noirs, c'est son existence est confirmée, elle est précisée, on sait où est-ce qu'il était situé? ben je crois que c'était pas très loin du palais de justice à Rouen. Et au Havre, c'était près de l'arsenal. C'est là où il y avait. En fait, au Havre, ils avaient divisé la prison en deux, hein, parce qu'il y a aussi un préjugé de couleur qui est très fort. On veut pas trop que ces populations se mélangent. Mais sur Rouen, on sait qu'il y en a un. On sait qu'il y en a un, ça c'est certain. Il y en a 8 en France, dont 2 quand même, rien que pour la Normandie, ce qui est quand même un score tout à fait honorable, enfin, si je puis dire. Il y avait ces 2 dépôts. Qui ont été mis en place parce que, bon, l'histoire est quand même un peu un éternel recommencement. Cette population-là a jamais demandé à venir sur le territoire, mais à partir de 1763, à la fin de la guerre de 7 ans, on a trouvé qu'il y en avait un peu beaucoup et que quelque part fallait mettre en place une police, ce qu'on a fait presque 20 ans plus tard avec la police des Noirs de Sartine en 1779, et que le mieux c'était de renvoyer ces personnes vers les colonies en quelque sorte. Mais cet aspect des choses est assez peu, ce sont des bribes que l'on connaît. Mais là, il y a des vrais, oui, il y a des vrais travaux de recherche à mener. Alors, un travail de recherche qui est actuellement mené, c'est celui mené par la réunion des musées de la métropole. Mathilde Schneider, vous êtes la directrice des musées Beauvoisine, vous êtes la voix ce soir de la réunion des musées de la métropole. Aujourd'hui, comment justement vous, à votre échelle, avec vos collègues, vous travaillez cette question de cette mémoire pour la réactiver, la retrouver peut-être dans vos collections?
Oui, bonsoir et merci de votre invitation pour justement montrer comment valoriser cette actualité de l'histoire et de cette histoire internationale de Rouen, dans lequel évidemment s'inscrit ce commerce triangulaire dont nous parlons depuis une heure maintenant. Aujourd'hui, dans le cadre du travail des musées, de la réunion des musées métropolitains, on poursuit en réalité une première phase de recherche qui avait été entamée en 2017 dans le cadre d'une enquête du ministère de la Culture qui nous avait demandé de passer en revue nos collections pour déjà faire émerger des œuvres ou des pièces de collection faisant référence à l'esclavage ou à la figure noire. Cela nous avait permis déjà de déterminer un premier corpus. Et puis, les années passant, en tant que directrice des musées Beauvoisine, donc Muséum d'histoire naturelle et Musée des Antiquités, cette période 17e-18e, 18e siècle nous incombe et donc nous avons souhaité creuser cette question et pour cela, et Éric Saunier le sait d'autant mieux puisqu'il participe activement à ce comité de travail, nous nous sommes donc réunis dans ce triangle normand avec la ville du Havre et de Honfleur et nos collègues à la fois des musées mais aussi des archives, du patrimoine urbain et donc de l'espace public qui nous semble extrêmement important comme interface évidemment avec nos concitoyens d'aujourd'hui de manière à redéfinir notre corpus et avoir une approche plus globale de cette question du commerce triangulaire, pas simplement l'angle de l'esclavage et de la traite négrière, mais vraiment le phénomène international de ce commerce qui se développe à grande échelle 17e, 18e siècle, et donc aller chercher d'autres types d'objets qui nous permettent d'illustrer aujourd'hui ce commerce triangulaire, qu'il s'agisse donc toujours bien sûr des œuvres représentant des traites et des scènes pardon, de traite, donc on pourrait parler de ce petit objet qui est le yo-yo dont vous avez une image, donc le yo-yo, le jouet hein, que nous avons dans nos collections et qui d'une manière assez étonnante, présente deux scènes extrêmement différentes l'une de l'autre. Vous le voyez sur la droite, une scène de fête flamande, donc tout à fait joyeuse, et au revers du yo-yo est représentée une traite des nègres, dans lequel donc, on voit en effet notamment des hommes retirer vraiment à leur famille des femmes et des enfants qui pleurent et puis au loin les bateaux qui évidemment font référence à ce commerce et à cette traite négrière qui va les emporter très loin de chez eux. Cette scène est tout à fait explicite concernant le commerce des esclaves, mais il faut élargir un petit peu aujourd'hui notre champ de vision et voir aussi tous les objets, alors à la fois les objets qui constituent ce qu'on appelle les pacotilles, donc ce que les marchands européens vendaient et échangeaient contre des esclaves, oui, dans le cadre de ce commerce. Donc, par exemple, dans nos musées, nous avons des perles de traite qui servaient notamment à acquérir cette main-d'œuvre, mais aussi tous les produits qui sont issus de ce commerce triangulaire global. Donc, et nous avons bien sûr dans nos collections de nombreuses pièces relatant la présence et l'arrivée, le développement, par exemple, du café, du sucre ou du cacao sur les tables européennes et notamment sur les tables rouennaises. Et puis, bien sûr, comment ne pas parler du coton et de toute la production des Indiennes qui ont vraiment permis l'essor de cette industrie textile dans le bassin rouennais. Et donc également se préoccuper de la question du patrimoine des familles d'armateurs dont Éric Saunier parlait à l'instant, puisqu'on peut aussi voir cette richesse et vraiment ce rayonnement économique à travers la production que ce commerce triangulaire a permis. Et puis pour faire référence là aussi à la toile de l'aumônier qu'Éric mentionnait tout à l'heure, donc il s'agit d'une scène assez ambigu en un sens, puisque en effet l'allégorie de l'Afrique semble faire pâle figure en tant que figure d'esclave, et en même temps le discours n'est pas franchement abolitionniste, en tout cas il ne l'est pas explicite, et il s'inscrit d'un point de vue artistique dans une typologie de peinture tout à fait classique pour l'époque, qui représente donc le commerce avec les quatre autres continents, et donc les allégories des continents en question. C'est une scène vraiment extrêmement
traditionnel à l'époque. Donc, cette amorce de discours et de discours de regard critique sur ce commerce triangulaire et sur la question notamment plus précisément de l'esclavage, en effet, semble poindre à travers cette œuvre, mais il s'agit tout de même d'une peinture qui initialement était prévue pour la Chambre de commerce, et donc on peut malgré tout, nous aussi avoir un regard critique sur cette œuvre et sur la vision et la compréhension qu'en ont eu ses contemporains. Alors justement, ça m'a même une question parce qu'il y a ce travail d'inventaire qui est en cours, donc c'est vraiment en cheminement. Il y a repéré les œuvres et puis ensuite, il y a tout ce travail qui permet de les interpréter, de les remettre dans un contexte. C'est comme ce yo-yo, on peut se demander à qui il était destiné, est-ce que c'était un cadeau, qui l'achetait, pourquoi ces deux faces pouvaient être associées comme cela. Et ça, c'est un travail peut-être encore plus long qui se fait en parallèle. Comment les choses s'articulent ? Oui, tout à fait. C'est un travail vraiment de concert et notamment de concert avec des scientifiques et des historiens spécialistes du sujet, puisque nous gérons des collections à la fois de typologie, mais surtout qui font référence à des domaines extrêmement multiples. Donc, nous nous associons toujours et c'est justement l'intérêt du comité de travail qui a été mis en place entre Le Havre, Honfleur et Rouen autour du travail d'Éric Saunier, mais de ses étudiants, comme vous le mentionniez tout à l'heure, de manière à aller vraiment chercher, explorer les archives. C'est aussi pour ça que nos collègues des archives sont sollicités sur ce point, puisque aujourd'hui, nous manquons de matière historique pour présenter, comme vous le disiez, des interprétations et surtout des regards multiples, puisqu'il ne s'agit évidemment pas de retomber dans le biais d'une histoire vue seulement, notamment d'un point de vue européen en ce qui nous concerne, et d'annihiler tous les autres regards. Donc voilà, c'est vraiment un travail en cours qui est extrêmement stimulant, puisqu'il est en lien avec les questions de société qui nous animent aujourd'hui, et surtout qu'il nous invite, il nous oblige dans le bon sens du terme, au sens constructif, justement à aller entendre les uns et les autres pour avoir cette multiplicité des points de vue sur ces objets historiques. Alors, Mathilde Schneider, je reviens vers vous dans quelques instants pour parler de la valorisation de ce que vous repérez, mais je voudrais faire un détour par Dominique Taffin pour retourner à la Fondation de la mémoire de l'esclavage, parce que ce travail avec des musées, sur des collections, sur du repérage d'œuvres, de l'interprétation, ça fait partie aussi de ce que de vos actions, Dominique ? Ah. Votre micro est activé, oui. Oui, oui, tout à fait, vraiment. Merci beaucoup, Mathilde Schneider, pour cette présentation. Oui, en effet, la Fondation, alors dans un de ses programmes hein, qui est orienté sur la culture et en particulier sur les institutions patrimoniales, il s'agit vraiment de fédérer les musées comme voilà, le musée Beauvoisine et le musée de Rouen ou ceux du Havre hein, et je sais qu'il y a un travail effectivement qui est en cours dans la région voilà, de la basse vallée de la Seine et je le salue hein, vraiment c'est une initiative tout à fait intéressante. Donc c'est de fédérer justement et de mettre en créer plus de synergie entre toutes ces initiatives qui ont été menées ou qui sont en cours. Bien sûr, on connaît ce que La Rochelle, ce que Nantes, Bordeaux, plus récemment, ont mis en œuvre, notamment dans leur musée, pour mettre au jour, finalement, cette histoire de l'esclavage et surtout fournir un récit, effectivement, qui soit un récit beaucoup plus riche des différentes visions qu'on peut avoir en fait de cette histoire, voilà, parce que c'est vrai que ces tableaux hein, très, disons, qui constituent un genre, hein, voilà, de la personne ou du négociant, en tout cas, voilà, de la personne d'un certain niveau social et d'aisance, avec ce petit personnage là, qu'on appelle le négrillon ou la négrite. En fait, c'est des choses que les gens regardaient en fait sans essayer véritablement de comprendre en fait tout ce que ça pouvait vouloir dire en réalité, en fait, du système global de l'esclavage. Et ça, je crois que évidemment, voilà, ça c'est un exemple, mais les exemples
aussi d'objets que vous avez donné tout à l'heure montrent à quel point, effectivement, en essayant de creuser, d'abord en documentant beaucoup mieux les œuvres et la question, évidemment, de connecter aussi ces objets, ces œuvres avec les sources d'archives, c'est quelque chose de très important parce que les papiers de famille permettent de comprendre aussi beaucoup de choses sur le statut des personnes, sur les relations sociales, les relations économiques, et Éric Saunier nous l'a montré aussi à travers les exemples qu'il a donnés. Donc voilà, la Fondation, pour donc finir, la Fondation a lancé un réseau qui s'appelle Patrimoine déchaîné. Donc, qui a été esquissé il y a déjà 2 ans dans sa phase de préfiguration et qui commence en fait à se mettre en place et dont le but, c'est justement de fédérer ces institutions, de permettre de la coopération entre elles, de faciliter ces coopérations, faciliter aussi les échanges de bonnes pratiques, notamment des pratiques de médiation, des pratiques de travail, de documentation sur les collections. Et cette forme finalement de solidarité aussi sont, je crois, très demandé en fait par les personnes, les professionnels qui, dans leurs institutions, qui sont parfois généralistes, disons, ne peuvent pas facilement en fait mobiliser l'expertise sur des parties de leur collection qui ont un rapport avec cette histoire de l'esclavage. Merci pour cet éclairage, Dominique Taffin. Mathilde Schneider, je reviens vers vous. Il y a le travail d'inventaire, puis ou en même temps l'interprétation, et ensuite Dominique Taffin vient de prononcer le mot, le temps de la médiation. Médiation et vers qui et comment? Donc, quelles sont un peu les perspectives que vous vous donnez collectivement au sein de ce collectif sur la valorisation de toute cette matière? Alors, en effet, c'est vraiment l'enjeu ultime de tout ce travail, puisque nous travaillons uniquement pour valoriser davantage ce patrimoine auprès des publics, et j'insiste vraiment sur le pluriel, la diversité des publics est tout aussi incontournable que la diversité de nos collections. Donc l'enjeu du comité de travail, c'est pour l'instant vraiment de se pencher sur la recherche et sur donc la réunion de documentation, mais à l'échelle de la réunion des musées métropolitains, notamment dans le cadre de la journée qui nous anime aujourd'hui, ce travail a été l'occasion de monter un petit film qui est diffusé sur les réseaux sociaux de la réunion des musées métropolitains et d'instituer dans nos équipes de travail des veilleurs, des garants de cette attention, de l'attention à cette thématique plus précisément sur l'ensemble de nos productions, qu'il s'agisse d'une exposition, d'un travail sur nos collections permanentes. Nos référents sont là pour nous dire: ah, et a-t-on pensé à réinscrire le travail sur cette œuvre dans le cadre du commerce international, dans le cadre du commerce triangulaire, etc. Donc c'est vraiment une espèce de veille, d'alerte que nous avons désormais en plus dans nos esprits, de manière à ne jamais oublier de réinscrire l'objet, pas seulement dans son contexte historique tel qu'on le fait évidemment habituellement, mais là aussi dans le contexte historique en lien avec une problématique sociétale qui est la nôtre aujourd'hui, et puis qui en plus évidemment se prolonge ensuite avec les questions de l'histoire coloniale et post-coloniale. Donc tout cela vraiment donne du sens et de la profondeur à nos patrimoines, et évidemment l'enjeu de la médiation, qu'elle soit à travers des ateliers, des expositions, donc des contenus sur nos réseaux sociaux. Tous ces canaux-là sont activés pour rendre encore plus visible. Laura Slimani, vous parliez d'invisibilité de certaines communautés. Voilà, c'est vraiment, c'est notre travail tous les jours que de rendre visible et d'exposer. Donc aujourd'hui, c'est un axe de plus que nous ajoutons à notre boîte à outils. Merci à vous, Mathilde Schneider. Alors, j'aimerais retourner vers Joseph Carrien, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y a une attente forte de votre association et des associations sur l'enseignement, la transmission de cette mémoire. On a compris qu'il y a de la matière ici à Rouen. Les traces sont peut-être peu nombreuses, mais elles émergent avec le travail qui est fait. Qu'est-ce que vous aimeriez voir advenir pour justement renforcer cette transmission autour de ces sujets, Joseph Carrien? Alors, je ne sais pas si
La réactivation du micro n'a pas l'air de fonctionner. Alors peut-être sur les questions d'éducation et de transmission, peut-être avoir vos regards, Dominique Taffin et peut-être Laura Slimani, sur ces enjeux de travailler avec les plus jeunes. Et, alors je pose une question, est-ce que Peter Marquis est dans la salle? Si oui, je sais que vous avez un retour d'expérience intéressant à partager. Si vous êtes là, on en profite, sinon ben, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous signaler si vous êtes là dans la discussion. Alors, sur la question de l'éducation, de l'école, de l'enseignement, peut-être Dominique, puis peut-être une réaction de Laura. Voilà, rapidement, sur la question de l'éducation. Je crois que le travail vraiment qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de renforcer évidemment les points d'appui déjà existants, notamment dans les programmes scolaires, et puis de travailler sur la formation des enseignants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit durer, hein. Il n'y a pas de raison que... Enfin, parce qu'on a un petit peu tendance à penser que la question de l'esclavage, OK, on en parle deux, trois fois, et puis c'est bon, et on parle d'autre chose. Alors qu'en fait, c'est comme tous les éléments importants de l'histoire française, ça doit figurer de façon permanente. Et du coup, la formation des enseignants doit être aussi, doit le prendre en compte. Donc ça, on le fait à travers des partenariats avec des intervenants dans les académies. Et il y a, voilà, notamment sur la Normandie, je crois qu'on a des choses qui sont programmées là pour les mois à venir. Et puis, également, à fournir aussi des outils. Là, le prochain sur lequel, donc, travaillent donc un certain nombre de membres du conseil scientifique de la Fondation et des experts extérieurs, notamment en pédagogie, en didactique de l'histoire. C'est aussi un manuel interdisciplinaire qui permettra de mobiliser en fait non seulement justement l'histoire et la géographie, mais également l'éducation morale et civique, l'histoire des arts et même des enseignements des disciplines comme l'éducation physique et sportive, qui peuvent toutes intégrer en fait justement un aspect finalement de connaissance de l'histoire de l'esclavage et de ses héritages. Et en fait, par cette approche donc pluridisciplinaire, nous pensons que on peut vraiment significativement faire évoluer les choses sur la prise de conscience en fait de l'importance de cette histoire dans la société d'aujourd'hui. Donc, formation des enseignants, outillage, boîte à outils pour transmettre. Laura Slimani, dans ce travail que vous menez sur les mémoires, est-ce que déjà vous imaginez ou vous avez envie d'accompagner peut-être plus fortement cette transmission de ces savoirs et comment? Oui, oui, effectivement, c'est tout l'enjeu du débat des mémoires qu'on a lancé, qui a une vraie visée, je le disais, démocratique, mais aussi éducative, et dans le sens de l'éducation populaire et du partage des savoirs sur ces questions. D'abord, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on fait ce soir, ça participe de tout ça, évidemment. Et je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre et que vous nous témoignez aussi de l'intérêt que vous portez à toutes les interventions des intervenantes et intervenants, que je remercie d'ailleurs parce qu'elles étaient vraiment passionnantes. Voilà, tout ça y participe. Et je pense que, par exemple, c'est intéressant de savoir que, à la fois, notre puissance, enfin voilà, que la puissance économique, par exemple, de l'Europe, elle s'est aussi construite très fortement sur ce commerce triangulaire dont effectivement l'esclavage faisait partie. Et c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience et je pense que dans la manière dont on appréhende le monde, dont on appréhende la société qui nous entoure, c'est quand même des choses dont il est important de les connaître. Donc voilà, je crois que ça c'est une première pierre et effectivement, plus on peut partager cette histoire largement et dès le plus jeune âge, mieux c'est pour le vivre ensemble et puis pour, encore une fois, voilà, savoir dans quel monde on vit et comment se situer dans le monde. Ensuite, nous, à la ville de Rouen, alors c'est vrai que c'est un travail nouveau
qu'on entame et donc on tâtonne, on a lancé déjà un diagnostic des mémoires pour essayer de comprendre un peu mieux et de repérer les traces finalement qui nous permettraient justement de mieux les valoriser, de mieux les faire connaître dans notre espace public. Je pense que l'un de nos rôles principaux, c'est quand même de regarder justement la question des noms de rue. Alors, moi, je n'ai pas, pour répondre à Eric Saunier, j'ai cherché s'il y avait une rue Le Couteux parce que je me suis aussi dit que c'était une probabilité importante. Je n'en ai pas trouvé à Rouen. Dans d'autres villes, il y en a. Mais voilà, il y a peut-être d'autres traces de cette histoire et il faut évidemment continuer ce travail. On pourrait aussi nommer des noms de rue d'après des esclaves affranchis ou des abolitionnistes, des personnes qui ont mené le combat aussi de l'abolition. Je pense que ce serait aussi une manière de mener les choses en positif. Il y aura, je l'ai dit, l'année prochaine, l'inauguration d'une œuvre qui rendra hommage donc aux victimes de l'esclavage et puis qui surtout nous permettra de nous souvenir, hein, de ne jamais oublier ce crime contre l'humanité. Et puis, effectivement, il y a un travail qu'il faut qu'on entame avec les scolaires, avec les établissements scolaires, avec l'académie, à la fois sur cette question de l'esclavage, mais qu'on souhaite aussi promouvoir sur différents sujets. Je pense à la question des femmes, du rôle des femmes. D'ailleurs, on pourrait aussi parler du rôle des femmes esclaves dans le combat pour l'abolition, puisqu'elles y ont aussi évidemment participé fortement. Elles ont été aussi victimes de cette exploitation et de manière encore plus particulière du fait de leur statut de femme. Donc voilà, c'est des choses qu'on commence. Mais là, j'ai vu par exemple qu'il y avait une personne qui s'appelle Evelyne Pellerin qui nous parlait d'une association et qu'elle était intéressée pour organiser voilà, des choses avec un spectacle de sensibilisation pour les scolaires, par exemple. C'est tout à fait le genre de choses que nous, on va pouvoir encourager, soutenir et qu'on souhaite soutenir. Et je souhaitais remercier évidemment la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et Dominique Taffin en particulier pour leur appui dans ces démarches qui sont des démarches nouvelles et dans lesquelles les villes n'ont pas forcément aujourd'hui tous les outils pour s'en saisir. Et donc, on y travaille avec les services que je remercie également pour leur travail sur ce sujet. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi une exposition dans le hall de l'Hôtel de Ville de Rouen en ce moment qui justement est proposée par la Fondation, enfin nous a été proposée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est extrêmement pédagogique et qui est une première entrée, je trouve, dans le sujet qui est intéressante. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez approfondir le sujet aussi. Merci Laura Simani. Il nous reste 9 minutes, donc je vous invite à envoyer dans le chat vos questions. Je vois également là des précisions ou une question pour Eric Saunier, donc n'hésitez pas à les poser, il faut en profiter. Avant que la première question arrive, Eric Saunier, je reviens vers vous puisque je sais qu'un de vos étudiants a publié tout récemment un livre qui permet d'une façon extrêmement intéressante là aussi d'explorer ses mémoires, pas en partant de la ville de Rouen, mais expliquez-nous. Oui, je vais vous expliquer, je vais même vous montrer la page de couverture. Je pense que je ne vous l'ai pas envoyé. C'est le type de travaux de recherche caractéristiques qui font avancer les connaissances et puis la capacité à se réapproprier la mémoire. C'est un travail en fait qu'a fait un de mes étudiants qui a gagné un prix d'ailleurs pour ça, qui a reconstitué l'Odyssée d'un navire négrier à partir d'un fonds d'archives important que l'on a au Havre. On a des ateliers on a parlé un peu de petite aparté hein, de 30 secondes. On a parlé tout à l'heure des aspects pédagogiques. Aux archives municipales de Havre, l'atelier sur la traite et l'esclavage est certainement celui qui est le plus fréquenté par les scolaires. J'ai moi-même assuré le plan académique de formation pendant 10 ans sur le sujet dans l'académie de Rouen. Et on a mis à disposition, mais vous avez sans doute des expositions, dont une est aux archives départementales de la Seine-Maritime et qui a une dimension régionale. Mais pour ce qui est de ce travail, donc c'est la reconstitution de l'Odyssée d'un navire négrier qui a fait, qui s'appelle l'Alligator, qui a armé deux voyages en traite. C'est un des négriers. Alors on cite toujours les mêmes. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas de la paresse intellectuelle, mais c'est aussi plus facile. Ce sont des gens connus qui ont eu un rôle politique. Mais là, l'intérêt, c'est que ce navire est armé par ce que j'appellerais le négrier ordinaire. Parce qu'il y a quand même 150 à 200 négociants qui ont pratiqué la traite. Mais pour la moitié, c'est 1 à 3 expéditions. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins grave.
C'est pas le problème. Mais c'est un à trois expéditions parce qu'on s'est rendu compte juste avant la Révolution que c'était quand même une source d'enrichissement phénoménal et donc des rangs, c'est classique, hein, c'est comme la mode, hein, les gens de rang moyen essayent de faire comme l'élite en quelque sorte. Donc il y a ces voyages armés par un personnage qui s'appelle Colombelle et l'intérêt du travail, c'est qu'il les Tom Hugo Couvet, je veux dire son nom quand même, a réussi à reconstituer les trois niveaux de voyage, c'est-à-dire il a reconstitué l'itinéraire de l'armateur et de la famille depuis le moment où il ne pratiquait pas la traite, où il vivait dans le pays de Caux comme des agriculteurs assez aisés d'ailleurs qu'ils étaient, et puis jusqu'à le milieu du 19e siècle. Lorsqu'ils s'orientent vers d'autres activités. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de donner du corps et de voir qui étaient les négriers. Et c'est pas des spécialistes. Enfin, c'est en même temps des spécialistes, mais il n'y a jamais un négociant qui n'a fait que de la traite. Ça n'existe pas. Ce serait même complètement, sur le plan économique, complètement irréaliste. Il a reconstitué aussi l'itinéraire du navire. Alors il y avait une espèce de marché enfin, on essayait de faire des économies sur tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ces navires n'étaient pas non plus des navires négriers à l'origine. Ça, c'était un bateau c'était un navire qui assurait la ligne Le Havre-New York et Lorient-New York en ligne directe, et puis qui a été un bon coup sur le plan économique et qui est au niveau du rachat et qui est devenu un navire négrier. Donc il reconstitue l'histoire du navire et il reconstitue aussi l'histoire des deux équipages, ce qui est assez rare. Les deux équipages réunis, c'est 70 hommes. Donc en fait, c'est une histoire à trois niveaux. L'histoire des propriétaires, ce qu'on appelle une histoire vue d'en bas aussi, hein. Il se trouve que ces propriétaires sont pas des immenses négriers. C'est les hommes sur le navire et donc les esclaves aussi. Et puis c'est ce qu'on appelle, enfin, il y a un historien américain qui emploie cette expression qui me paraît assez juste, qui est Marcus Heidegger, ce qu'on appelle les forçats de la mer, c'est-à-dire les simples hommes qui étaient embauchés pour faire la traite et qui, eux, c'était pas une bonne affaire, hein, y compris économiquement. Ceux pour qui c'était une bonne affaire, c'était les officiers d'état-major et les armateurs. Et les Mais armateurs, le marin évidemment. négrier n'avait pas un intéressement particulier. Il avait simplement plus de risque de perdre la vie pendant le voyage parce qu'il y avait des révoltes et ce voyage était risqué. Merci Ouais, pour ce focus sur ce livre. Alors j'évoque quelques messages qui nous viennent de Facebook et j'aimerais peut-être ensuite redonner la parole à Joseph Carrien puisque la connexion a été rétablie. Très bien ce travail de mémoire, mais aussi un travail à faire sur le racisme actuel qui est hérité de cette histoire. Et puis également, une question, comment participer à ce travail de mémoire en tant que citoyen? Et Joseph Carrien, j'imagine que vous avez un avis là-dessus, comment en tant que citoyen on peut participer à ce devoir et à ce travail de mémoire? Bon, vous m'entendez? Okay. Oui, absolument. Comment faire les choses? Ben, je pense par un lien pédagogique à enseigner les choses, et puis renseigner cette histoire, et puis vraiment prendre les choses au sérieux. Et chaque année, en parler, et puis faire des rencontres. C'est très important de faire des rencontres, faire des portes ouvertes. En parler régulièrement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a pas mal de gens traumatisés là-dessus, en fait, c'est une incompréhension. Donc, il faut effacer les dirigeants, parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent sans savoir, qui ne connaissent pas la véritable histoire. Donc, mais la raconter concrètement. Donc, en fait, il y a eu trop de mal fait là-dessus. Moi, je pense, ça c'est mon avis. Mais je pense que c'est pas que c'est délicat, mais il faudrait faire les choses. Voilà. Donc, en parler de la pédagogie et voilà, que ce sujet existe vraiment dans notre présent. Alors, je vais donner pour une minute la parole à Guy Pessiot, puisque vous connaissez très bien l'histoire de Rouen, vous avez suivi la conférence et vous disiez la conversation que vous aviez peut-être des précisions à nous donner. Donc, je vous active votre micro.
Donc, Monsieur Pessiot, normalement, je vous ai demandé d'activer votre micro. Vous devriez pouvoir prendre la parole. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, ouais. Si, c'est bon. Ah oui. Ça y est. Bonjour, oui. Effectivement, c'est un sujet assez neuf. Il existe certainement beaucoup de traces du commerce triangulaire, de la traite des Noirs à Rouen, dans les archives, mais on ne les a pas cherchées depuis. Heureusement, quelques universitaires l'ont fait ces dernières années. Mais je prends, par exemple, le témoignage de Georges Dubosc, qui est le journaliste qui a le plus écrit à Rouen, 6000 articles. Il n'y a rien du tout, rien sur la traite. Alors, j'ai quelques questions, et j'en parlerai volontiers avec les personnes qui travaillent là-dessus. Pourquoi j'ai parlé de Delarue? Effectivement, je suis d'accord avec Eric Saunier, hein, ce n'est pas parce qu'on importe du coton qu'on est esclavagiste. Hein, non, mais en fait, Delarue a été propriétaire de la maison de Flaubert à Croisset. Donc, c'était une belle maison où on voyait rentrer les bateaux. Donc, effectivement, il était maire de Rouen, etc. Et ça serait intéressant d'en savoir un peu plus et prendre, par exemple, ce personnage qui, effectivement, était un personnage qui a joué un rôle important puisqu'il a donné du travail à des dizaines de milliers de familles en Normandie autour du filage de coton qu'il a amélioré, etc. Bon, mais essayez de voir si on peut savoir si, comment on peut arriver à savoir s'il était et pratiquait le commerce triangulaire. Hein. Je pense que c'est important. Alors sinon, j'ai repéré un bateau qui s'appelle le Négrier qui était dans le port de Rouen en 1834. Mais bon, là encore, est-ce que à partir des, est-ce qu'on a des archives dès qu'on a une date et un nom de bateau, on peut approfondir. Et puis, je pense qu'il y a un débat qui est très intéressant à Rouen à reconstituer. C'est au moment de la Révolution entre une académie des sciences belles-lettres et arts de Rouen plutôt favorable, bien sûr, au commerce triangulaire et à Saint-Domingue et compagnie. Et puis la société d'émulation, création de la Révolution, qui a été plutôt abolitionniste, mais là encore, ça reste. Il faudrait regarder ça dans le détail. Vous voyez, trois pistes Delarue, le Négrier, et puis les académies, les sociétés savantes. Merci à vous, Guy Pessiot. Alors, il est 20h01, donc on ne va pas apporter là tout de suite des éléments de réponse. Néanmoins, je précise que Eric Saunier, vous avez rédigé un fascicule sur la question de la traite négrière à Rouen et puis en Seine-Maritime, et vous évoquez dans ces documents justement la différence de position entre l'Académie des sciences et des belles-lettres et la société d'émulation qui avance sur des positions différentes. Il me reste à vous remercier toutes et tous, Joseph Carien, président de l'association MAS-AIO, Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Mathilde Schneider, directrice des musées Beauvoisine de la Réunion des musées métropolitains, Éric Saunier, historien, maître de conférence à l'Université du Havre, pour vos éclairages. Et merci également à Nicolas Maillé-Rossignol, maire de Rouen, et Laura Slimani, adjointe, d'avoir contribué à l'ensemble de ces échanges. Merci à vous tous. Vous l'avez entendu, Laura Slimani propose dès l'année prochaine de pouvoir ancrer encore plus fort ce travail. Donc, n'hésitez pas à suivre les travaux menés par la ville et à vous impliquer dans la vie associative, notamment, qui contribue à ce travail de mémoire. Merci à vous toutes et tous. Très belle soirée à vous. Merci. Okay.